lassen. Ich habe keine Betrachtung. Nein. Heiße Sache, là. Un soufflet aigu. Mais on les a pas entendus, hein. Non. Comme ça, c'est dommage. C'est le but de la cuisson. Voilà. Pascal a ravi de petit, même un jeune imbri. Ils sont mignons, hein. Ils sont adorables. Mignons. Tout mignons, les jeunes imbris, particulièrement. Très coopératifs ce matin. En bouton, hein, là, c'est... aucune n'est ouverte, hein, en fleur. C'est des boutons, même en bas. Tu vois, il y a vraiment un petit truc qui s'ouvre. Merci, Nassi, on reconnaît bien le avec le style pointu qui reste toujours. Ça, c'est... Mais alors, ce qui est étonnant, quand même, c'est l'autre truc. Oh la vilaine! Oh là là, mais elle se met sur toi là! Il faut vite l'enlever! Une plante extraordinaire là! Dilobéia, une protéacée. Une protéacée avec les feuilles entièrement divisées, dichotomes, avec à chaque fois une glande à la séparation. Peut-on voir la glande? On voit la petite tache un peu foncée. C'est extraordinaire, hein, Dilobéia avec parfaitement dichotome. Tu as vu les nervures qui se divisent en deux de façon parfaite. C'est jeune. Le gainé apparemment a plus de feuilles vivantes que le pétiolet. Il semble qu'il y a une différence aussi dans le nombre de feuilles vivantes. Il semble qu'on est plutôt entre 4 et 6 pour le gainé, alors que le pétiolet n'a généralement pas plus que 2 ou 3. Pour les plus jeunes, voilà, déjà c'est maintenant trop tard, mais quand on voit les très jeunes, il semble que le pétiolet a toujours très peu de feuilles, et qui semble moins adapté au sous-bois. Quoi. On tombe un peu sur ce problème, c'est que celui qui est vraiment avec les feuilles bien disposées, quand il est jeune, il semble bien adapté au sous-bois, il a beaucoup de feuilles, il est très bien disposé, vraiment tu vois, en tort. En fait, tu reprendras l'article, tu sais, j'ai fait un article sur les formes des plantes, qu'elle a à Yari. Il correspond vraiment à ce que j'appelle les formes en tore, en germe. Et donc il est très adapté au sous-bois, alors que l'autre semble... tu vois, il y a juste 2-3 feuilles maximum qui sont beaucoup plus abîmées. Après, quand il passe le cap, après il se débrouille. Mais en fait, la spirale n'est vraiment caractérisée que dans les stades très très jeunes, en fait, la différence entre les deux. Les grands stades, mais ça on les verra plus en face, je pense, les stades. Tu sais, il y avait beaucoup plus de stades intermédiaires, justement, en face. Ah oui, les pandanus, les palmiers. Ah oui. Voilà. Tu caresses les fantopus, là. Voilà, et voilà, tu as les petits akènes qui... Tu vas pas t'en débarrasser comme ça. ça colle. Voilà, la fin de la matinée dans la réserve des imbris. De cucurbitacé. Est-ce qu'on peut prendre une autre espèce? Attends. Ah, enfin. Qu'est-ce que t'as trouvé? Convolve. T'es content? Ben, la première convolve de Madagascar. Et ça, qu'est-ce que c'est ça? C'est une légumineuse. Il est preneur de matériel. Elle est belle.
Indianelle, là, les fruits. Chine, tout ça. Bon, il y en a ceux qui sont pas ramifiés, ont les feuilles disposées de façon distique, mais la ramification, elle est généralement spiralée. On risque à descendre. Voilà. Merci beaucoup. La bractée est avec un petit bout de lame au bout. Hein. Oui. Ah là. Bon, on va le photographier, qui a une très belle afro derrière. Ah, c'est cool. Ça va comme ça? Oui. Je vais prendre de ce côté-là, déjà, l'autre. Non, pas comme ça, puis je vais prendre de l'autre côté. Dans le truc rouge, hein. Il est toujours là? Oui.